Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. That's a Rios of Parochial Christian Food Television. Good evening and welcome to your broadcast, The Prophet Instance. Let's listen to the testimony of this week. L'oreille de cet homme était en train de pourrir petit à petit à cause d'un cancer horrible qui le rongeait. Mais lorsque le prophète William Branham détecta ce cancer comme un hasard sur une montagne, il ne pria pas pour lui. Le simple fait que Branham toucha l'oreille de cet homme, son cancer disparut mystérieusement et son oreille redevint normale comme si rien ne lui était arrivé. Suivez cette histoire incroyable. Mais avant tout, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube William Branham Bibliothèque pour ne pas manquer ce genre de vidéos incroyables. Cette histoire se passe dans la ville de Tucson en Arizona en avril 1960. Depuis le début 1963, le prophète William Branham avait quitté Jeffersonville pour s'installer dans la ville de Tucson en Arizona, dans un duplex de l'avenue Park, non loin du Grand Canyon. Mais du jour au lendemain de son installation à Tucson, près de 400 personnes venant de Jeffersonville et de diverses villes des États-Unis affluèrent à Tucson pour résider tout autour du prophète, juste pour être ses voisins. Parmi ces personnes, il y eut un jeune monsieur qui s'appelait Donavon Wert. Il était originaire d'Allemagne, un homme humble, âgé de 35 ans, marié et père de 3 petits-enfants. Il déménagea de la ville de Minnesota où il vivait et vint désormais vivre à Tucson dans le but d'être aussi un voisin du prophète William Branham. Au mois de mars 1965, Branham organisa une excursion de chasse sur la montagne Sunset, au même endroit où les 7 anges étaient descendus sur la nuée 2 ans auparavant. Pour cette fois-ci, parmi les personnes qui ont accompagné Branham, il y avait aussi Donavon Wert. Mais seulement, Donavon n'était pas tout à fait en forme. Son oreille droite était petit à petit rongée par un drôle de cancer, cela faisait déjà 6 mois. Il souffrait terriblement, mais il dissimulait sa souffrance, il n'en parlait à personne, ni même au prophète, par respect, puisqu'il ne voulait pas lui déranger. Un matin sur cette montagne, Branham va remarquer que l'oreille de Donavon Wert était enflée. Et j'ai remarqué que Donavon, le bout de son oreille à droite était enflé. C'était peut-être 3 fois plus grand que la normale. Et ça me paraissait très rouge. Dans un premier temps, le prophète s'imagina peut-être, puisqu'ils ont passé quelques jours dans ces déserts, Donavon aurait pu être piqué par un cactus du désert. Eh bien, là, j'ai pensé que peut-être là-bas dans le désert depuis quelques jours, que là où nous avions été, peut-être que des piquants de cactus s'étaient enfoncés dans son oreille. Mais quand j'ai pris sa main, j'ai découvert que c'était un cancer. Mais le prophète décida quand même de toucher la main du jeune homme. C'est alors que Branham va détecter que Donavon avait un cancer. Au lieu J'ai dit, ça fait combien de temps que c'est là, Donavon? Il a dit, à peu près 6 mois, frère Branham. Il a dit. J'ai dit, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Il a dit, oh, je vous voyais tellement occupé. Il a dit, je ne voulais pas le faire. Il a dit, je me suis dit qu'à un moment donné, peut-être que le Seigneur vous le dirait. Au lieu de prier pour Donavon, ou même prononcer quelques paroles pour sa guérison, le prophète posa juste sa main sur l'oreille du jeune homme et ne dit rien. 2 jours après, le cancer disparut mystérieusement. Il n'y avait plus la moindre cicatrice à son oreille. Cela paraissait désormais lisse et tout à fait normal. Et le surlendemain matin, sans rien de plus que d'avoir tenu la main de ce jeune homme,
le surlendemain matin, il n'y avait pas même une marque sur son oreille. C'était complètement parti. Voulez-vous également recevoir votre guérison? Écoutez un extrait de la bande du prophète William Aaron Branham. May men and women tonight catch the vision. Understand what God's program is for this last day. Now let us all pray in our own way now, each one, while I pray for you. Maintenant, prions tous, chacun à sa façon. Maintenant, chacun, pendant que je prie pour vous. Almighty God, the creator of heavens and earth, the author of life, the revealer of the secrets of the heart. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie, toi qui révèles les secrets du cœur. You said the word of God is sharper than a two-edged sword. It even is a discerner of the thoughts of the mind. Tu as dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne même les pensées de l'esprit. That's the reason when the word was made flesh, it knew what they were thinking about as he perceived their thoughts. C'est pour cette raison que, quand la parole a été faite chair, celle-ci savait ce que les gens pensaient, alors qu'ils connaissaient leurs pensées. He was the word, and the word knew the secrets of their hearts. Il était la parole, et la parole connaissait les secrets de leur cœur. And that word is still the same word. Et cette parole est toujours la même parole. And tonight we see it revealing itself in us after 2,000 years. Et ce soir, nous la voyons se révéler en nous après 2000 ans. Because he wrote it on the paper and here confirming it, showing it that it's right. En effet, il l'a écrite sur papier et il est ici en train de confirmer, de démontrer qu'elle est vraie. Here lays handkerchiefs laying here. Il y a des mouchoirs qui ont été posés ici. Sick people are everywhere. Il y a des malades partout. I pray that the great Holy Spirit that's present, that shows these things, that tells these things. Je prie que le grand Saint-Esprit qui est présent, qui montre ces choses, qui annonce ces choses. And never fails to what it's right. Not one time can it fail, because it's God. Et sans jamais faillir, c'est toujours exact. Ça ne peut pas faillir, pas une seule fois, puisque c'est Dieu. Let him anoint these handkerchiefs with his presence and heal every sick person that they're laid upon. Qu'il oigne ces mouchoirs de sa présence et guérisse tous les malades sur lesquels ils seront posés. And the God who can be alive after 2,000 years. Et le Dieu qui est toujours vivant après 2000 ans. And can form himself into sinners' hearts that's been redeemed by grace and faith. Qui peut se façonner dans le cœur de pécheurs rachetés par la grâce et par la foi. And can speak his own words through mortal lips and watch it happen just exactly what he promised. Et qui peut prononcer ses propres paroles à travers les lèvres d'un être mortel et regarder la chose arriver exactement ce qu'il avait promis. Oh Lord God, I ask thee to be merciful to us. Oh Seigneur Dieu, je te demande d'être miséricordieux envers nous. And may every man and woman that's sitting present, that has any kind of a sickness or affliction. Que tous les hommes et toutes les femmes qui sont ici présents, qui auraient quelque maladie ou quelque affliction. As Moses threw himself in the breach for the people. Comme Moïse s'est jeté dans la brèche pour les gens. Tonight, I lay my heart out before you, Lord. Ce soir, je répands mon cœur devant toi, Seigneur. With all the faith that I have, that's in you, that you have given me, I give to them. Et avec toute la foi que j'ai, ma foi en toi, que tu m'as donnée, je la leur donne. As Peter said at the gate called Beautiful. À l'exemple de Pierre qui a déclaré à la porte appelée la Belle. Such as I have, give I thee, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.
And the man was lame and weak for a few moments. Et l'homme est resté boiteux et faible quelques instants. But while they held him, his ankle bones received strength. Mais pendant qu'ils le soutenaient, ses chevilles devinrent fermes. And he entered into the house of God, leaping and praising and blessing God. Et il est entré dans la maison de Dieu en sautant et en louant et bénissant Dieu. Thou art the same yesterday, today and forever. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. And as the apostle said, such as I have give I thee, it was faith. Et son apôtre a déclaré, ce que j'ai, je te le donne. C'était la foi. And I say, such as I have give I to this audience. De même, je déclare, ce que j'ai, je le donne à cet auditoire. In the name of Jesus Christ of Nazareth, renounce your sickness, cause greater is he that's in you than the devil is trying to take your life. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rejetez votre maladie, parce que celui qui est en vous est plus grand que le diable qui cherche à vous ôter la vie. You are children of God. You are the redeemed. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes les rachetés. I command that Satan leave this people. J'ordonne à Satan de quitter ces gens. May the God who rolled back that storm the other day. Puisse le Dieu qui a fait reculer cette tempête l'autre jour. The God who made the winds and the waves to cease. Le Dieu qui a fait cesser les vents et les flots. May he see to it that every disease is taken from these people. Puisse-t-il veiller à ce que chaque maladie se retire de ces gens. And the power of Christ is made manifest in their life at this hour. Et que la puissance de Christ se manifeste dans leur vie à l'heure même. May every sinner repent. Puisse chaque pécheur se repentir. May every person that's not close to you get right at this hour. Puisse chaque personne qui n'est pas proche de toi se mettre en ordre à l'heure même. And may it be so in the name of Jesus Christ. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. I, as your pastor, your brother, with what faith I have, I've asked God to place it on you. Moi, en tant que votre pasteur, que votre frère, avec la foi que j'ai demandé à Dieu de la placer en vous. I believe that I'll receive what I have asked. Je crois que je recevrai ce que j'ai demandé. Now, if you will believe it with me, with what faith that I have, I give to you for this hour. Maintenant, si vous le croyez avec moi, avec la foi que j'ai, je vous la donne pour cette heure. And now, in the name of Jesus Christ, the Son of God, renounce your affliction, your sickness, and say to it, you have to go. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, rejetez votre affliction, votre maladie, et dites-lui, tu dois partir. Because you have your faith plus my faith, with the power of Jesus Christ, whose omnipresence is here, to vindicate it and prove that he is here, will make you well at this time. Amen. En effet, vous avez votre foi plus ma foi, de même que la puissance de Jésus-Christ, dont l'omniprésence est ici pour le confirmer et pour prouver qu'il est ici. Il vous rétablira en ce moment. Do you believe that lady laying on this cot? Le croyez-vous, madame, vous qui êtes étendue sur ce lit de camp? Though your muscles be all like the cirrhosis and things, you can walk if you'll try. Bien que vos muscles soient dans cet état-là, ce qu'ils appellent une sclérose et tout ça, vous pouvez marcher si vous essayez. Levez-vous au nom de Jésus-Christ. Aidez-la, la voilà qui marche. Vous croyez, n'est-ce pas? Ankle bones receive strength.
tous les autres, levez-vous. Ses chevilles sont devenues fermes. Maintenant, levons les mains et donnons-lui la louange. Grand Dieu Jéhovah, au nom de Jésus-Christ, nous nous en remettons à toi pour la guérison. Amen. This was a pleasure for us to meet once again connected on your broadcast, The Prophet Instinct. Goodbye and see us for another edition. God willing. Shalom.